Mon camarade journaliste de radio, Petrouvé, c'est au niveau du bureau, au niveau de tout un camarade avocat qui est présent, et la famille qui est présente, c'est le combat est relancé. Vous voyez bien, je ne suis pas déçu avec réponse de la commission de la présidence, mais ma déception, c'est sur le délai qu'il finit de prendre. Vous comprenez que la commission finit plusieurs fois pour étudier. Vous comprenez que la commission n'a pas un staff. Vous comprenez que la commission peine un bureau. Vous comprenez que la commission saisit dans le bureau et travaille avec un staff du bureau du Premier ministre. Mais pour moi, il n'est pas correct qu'il prend tout ça à l'étranger. Mais n'empêche qu'à partir d'aujourd'hui, nous, nous avons une série de choses qui nous capable de faire. Nous vous joignons, tous mes camarades d'avocats qui ensemble vous joignent, nous pour multiplier mes rencontres pendant le week-end. D'ici mardi après-midi, nous pensons nous pour finir fixer lors nos différentes stratégies. Mais laisse-moi rappeler mes camarades journalistes et je tout, qui l'ont nous symposium, nous disons qui est une commission d'enquête. Aujourd'hui, quand nous avons la présidence qui dit, dans un communiqué qu'il tirait, il dit qu'il n'est pas capable de fouiller dans substance, pas capable de fouiller. Si l'État n'est pas capable de fouiller dans substance qui est là, que ça peut fouiller. Si l'État n'est pas capable de checker dans qui nous est là, que ça peut faire ça. Voilà la raison qui fait. Après, nous rapport, il prend tout ça les temps là. N'a pas fini aucun dimoun mine de l'avant, il dit qu'il n'est pas vrai, il est fausse, il n'a pas exact. Nous gagnons, aujourd'hui, la présidence qui dit qu'il y a une substance, et nous payons 10 man, aujourd'hui, parce que, pour cette même raison là, et pour une raison qui nous vient dire, dans nos rapports, page 207 et 211, et Commission of Inquiry, et avec même Terms of Reference qui nous mettait clair et net l'eau. Vous pensez qu'il nous besoin de mes journalistes rayonnés, parce que beaucoup de monde paraît pas lire sa partie-là, et nous vous besoin accentuer. Dans ce cadre-là, nous écrire le Premier ministre, pour dire man li get ça, et que va nous finir dire là où il y a un camarade qui est involé dans l'affaire Hall. Et dans moi-même, et dans mon camarade Ratna, et dans mon camarade Tilak Dari, et dans Ruben, et dans Delou, et dans Kali, et dans tous les autres jeunes avocats, tout le monde qui est involé dans Hart connaît qui l'enquête Hart est réouverte. Et tout qui est involé dans Hart connaît qui non seulement l'enquête est réouverte, je connais aussi que la police même il écrit à moi, il dit une collaboration. Oh, dans ça, l'enquête-là, avec une information qui nous a apporté, avec une évidence qui nous a apporté, avec rapport Dr. Walker, avec rapport Bericone, avec rapport de ce qui nous gagnait depuis l'Antini, avec ben fait qui nous vient avancer, apporte le CCTV qui nous vient avancer, plusieurs points, on veut dire un point, plusieurs points avancés dans le rapport, il est important qu'il y ait une commission d'enquête, d'abord pour la vérité, pour qu'il soit innocent, et m'aurait dit bien, personne ici, pour qu'il dire où, après qu'il y ait un rapport, qu'ils n'ont pas quoi, qui ban tous les quatre uniquement bizarre sorti comme ça. Pas ça. Tous les quatre innocents, quand on veut dire innocents, c'est pénal n'en rien pour faire avec 10 faits dans Amical. Et 10 faits Amical, le 23 mai 1999, vous êtes coupable légal. Si le gouvernement n'a pas donné une commission d'enquête, donc le gouvernement peut les qui est responsable, un vrai responsable, l'Amical, ben qui tue du monde dans l'Amical, il met 10 faits dans l'Amical, il brille ben du monde, je t'envie ça ben du monde dans le reste. Nous faisons une rencontre, panel d'avocats pour une rencontre avec le Premier ministre. L'enquête bien réouverte et nous prenons les jeux de démarches. Nous souhaitons que le Premier ministre ait un discours à la pleine verre avant-hier, qu'il nous croit dans la justice. Et nous espérons que nous ayons dans la logique des choses de la justice, les choses qu'il fait. Nous demandons support pour la commission d'enquête, non seulement avec le Premier ministre, parce qu'il y en a le pouvoir pour faire, nous demandons aussi le soutien de tout même parti politique. Nous finissons écrire le leader remake Saniru Jagnat, l'ancien président et l'ancien premier ministre. Nous finissons écrire leader historique du MMM, Paul Béranger, ancien leader de l'opposition, ancien premier ministre,
l'eau s'assuse là. Nous pouvons aussi écrire nos bons camarades dans la lutte, nos bons camarades dans Résistance Alternative et tous les partis politiques. C'est un sujet de liberté, un sujet de vérité, un sujet qui en a beaucoup, ce qu'on appelle dans sa question, beaucoup mal donné, qui n'amène une grande erreur judiciaire. Donc, pour nous, ce n'est pas fini. Bien connu, ni moi, ni mon camarade Philippe Dari, ni mon camarade Ratna, ni tout camarade qui est ensemble ici, peine à personne pour baisser les bras, peine à personne pour aller à la case dans une façon découragée. Le combat ne fait qu'être relancé et pour un long combat, mais seulement celle du monde capable de faire le combat et faire l'attente diminuer d'un coup de plume à vite, c'est le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. Voilà la raison qui fait nous écrire, qui fait nous envisager et nous espérer nous bien soutien de la République en entier. On va dire bien, il n'y a pas de question, n'en est, apporte la vérité. Tout ce qui compte la vérité, besoin de nous mettre et nous faire. Nous avons une proposition, ben Dimouni, comment dire-nous, ben syndicat, ben ONG, ben Force Vive, pour une grande marche, nous disons de tout, attendre, nous pas pour rejeter ça, parce qu'en tout le monde, ben marche, finena, ben la marche pour contre ben l'erreur judiciaire. Nous pensons là, j'accuse et le soutien de tout un peuple, ben la gauche, quand il y a l'affaire Dreyfus, l'affaire Callas, l'époque Voltaire, et plusieurs affaires récemment, finena. Mais nous, ici, nous pouvons faire tout ce qui est capable d'un côté démocratique. Nous faisons tout du monde, mes camarades à l'étranger connaît. Tout à l'heure, nous prenons une conférence avec un solliciteur en Angleterre pour un soutien international et ben du monde qui milite dans le cadre de l'Innocence Project pour ben contre ben miscarriage of justice. Nous pouvons faire dit. Et beaucoup de membres de la famille qui me contactaient moi depuis. Qui nous gagne réponse, qui ont envie de donner la grève de la faim massive, moi je demande aux parents d'attendre et nous rencontre avec mes différents dimouns et aux chefs qui responsables du pays avant de décider quoi que ce soit. N'importe qui affaire qu'il faut faire, il faut faire en concertation avec mes camarades d'avocats, nous vous joignons, il faut faire en concertation avec la famille et il faut faire aussi en concertation avec nos quatre camarades qui fermaient injustement à la prison centrale de Beaubassin. Nous écrivons aussi M. Bruno, nous demande une visite spéciale demain dans le cadre parce que c'est l'affaire qui nous tombait. M. Bruno est très aimable, il accorde qu'il demain à 9h30, bonne famille pour qu'elle rejoigne les quatre. Et à partir de là, comme je souhaite, nous prenons toute une décision. Mon camarade Tilak Dari, avec mon camarade Ratna, si j'en ai quelque chose, je vais vous dire, et m'espérer, et comment vous dire, je souhaite, nous tout poil de l'avant ensemble dans sa grande combat qui est là. L'espoir, c'est un espoir pour la vérité, un espoir parce qu'il est important qu'il nous ait l'espoir, parce qu'il nous conchant, nous convaincus que nous sommes innocents. Bon, dire si tout, n'importe qui affaire qu'elle bien, il y a un problème, mais s'il y en a quoi que ce soit, on assume toutes les responsabilités de cette fille-là, on répète, on assume toutes les responsabilités et on demande qu'il nous tout rallier derrière ça. Si un manquement, c'est moi qui accepte tout manquement.